pas de vidéo, Mélika et moi on va faire un challenge. Mélika, concentre-toi sur la vidéo. Mélika, tu dois choisir 4 produits pour moi que tu n'aurais jamais mangé parce qu'ils donnent vraiment pas envie. Et je choisis 4 produits pour toi que j'aurais jamais mangé tellement ça donne pas envie. Oui. Et on prend un produit bonus que là, genre, on sait qu'il est bon. Là, on est dans un magasin de taille et en fait, on connaît pas les produits. Et l'idée, c'est de goûter ça, des trucs. Par exemple, ça c'est parfait quoi pour faire goûter. Ah ouais, ça a l'air dégueulasse. C'est quoi, on lit même pas. On lit même pas les ingrédients. On sait rien. Pas. On, au feeling. On prend au vu du packaging. Regardez. Voilà. Elle le sait pas, mais je lui ai pris des insectes. Elle triche, elle demande à Mine s'il y a des trucs pas bons. Tu triches. Ah, ça a l'air bien pas bon. Notre butin. Les trucs qu'on n'aurait jamais acheté de notre vie quoi. Alors, on va peut-être promettre un snack. Non, c'est bonne, malade quoi. Ouais, ça me fait envie pendant toute la vidéo, les gens ils regardent que ça. Mais si, ça va te faire des vues. Mais non. Ça va faire des vues, t'as dit. Oui, qu'est-ce que tu fais là? Promets tes seins. Coucou. Alors hier on t'a dit qu'on allait faire un challenge toutes les deux. Et en fait le challenge c'était de s'acheter mutuellement des trucs dégueulasses. Non. Et, ou bizarres et de les goûter. Non, moi je dis dégueulasses parce qu'il y a quand même des trucs bizarres. Donc, on a le paquet ici avec tous les trucs qu'on a achetés. On va sortir truc par truc et devoir goûter. Et on te dira si c'est bon, pas bon, qu'est-ce que c'est, pourquoi on l'a acheté, tout ça, tout ça. Bon, là, j'en tire un au hasard. On l'ouvre au hasard. Donc, toi, tu vois. Et nous, on sait pas ce que c'est. Il fallait deviner. Oh, merde. Ah, ouais. On sent bien, bien l'haricot. T'aurais deviné si je t'avais pas dit. Moi, j'aime pas trop. Mais on peut pas deviner si tu regardes. De toute façon, on peut pas savoir ce que c'est avec cette image. À toi l'honneur. Oh, ça pue. Oh, mon Dieu. C'est comme ça, c'est un peu gluant. Ça colle. Ça pue. On dirait, tu sais, tu mangeais pour les poissons. Ah. Ah. Ça pique. Ah, ça déchire sa mère. Ah. Oh non, fini. Non, mais c'est pour mettre dedans. Non, mais moi, j'ai fini mon morceau. J'ai fini ton morceau, là. Je pense que je te... Chili sauce, tapioca, surimi, squid. On sait pas ce que... oh, ça brûle la bouche. On va prendre un truc à boire. C'est ça. Oh, ça va aimer. Goûte. Bah, on goûte toi d'abord. C'est très liquide. C'est comme du lait à la fraise en fait. Ah, c'est pas bon. Ça, c'est moi qui l'ai choisi. C'est des insectes. Ah, c'est des criquets. Ah, ça... Ah, je pensais pas qu'elle allait prendre ça, elle a pris des insectes. Ouais. Je peux pas. On mange ensemble à trois. Ah, ça a des vraies formes d'insectes. Attends, est-ce que ça sent bon? Oh non, ça. Le packaging est très mignon, ça donne envie d'en manger. Et t'as ça? Bon, allez, bon, ils sont morts, ok? Je peux pas, moi je peux pas. Un chacune. Chacune. Pas un, mais là il y a un petit bout. Non, non, t'es... voilà, il est parti à la mer. Allez, tiens, tu essayes avec moi. Pense à quand il était vivant. Non, mais non, justement, je peux pas. Bah, ferme les yeux. Et là, l'aspect est dégueulasse. Hi. Hi. Do you want this cricket? No cricket? Why? It's good. Do you want this cricket with us? Cricket. Ah, oui, je suis là. Yes. You want this cricket? Okay. I don't know. You are beta tester. Yeah. Ça va. Good. Yeah. Okay. Yes. Do you like it? Okay, thank you. Oh, yes, 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 yes. Thank you. Have a good day. Bon, nous, il nous en reste quelques-uns, on est obligé de les goûter. Ah, mais ils se sont pas posés de questions. Hein. Ouais, ils sont on pas... est vraiment des flippettes. Hi. Do you want to taste cricket? It's like chips. No? Oh. On peut se dire sinon qu'on teste d'autres trucs et à la fin on teste les crickets. Alors moi, ce que j'ai comme idée, c'est que quand on voit passer quelqu'un, on lui refile ça du coup. Ah oui. Bah oui. Bon. Allez, moi, je suis pas une flippette. Il n'y a aucun intérêt, je trouve. C'est psychologique, ça me dégoûte. Ouais, ça c'est mignon. On teste ça, c'est un truc trop mignon. On sait pas ce que c'est. J'ai tout défoncé, du coup, j'ai tout écrasé le truc. Mmh. Alors en fait, c'est comme du pain tout mou. Et à l'intérieur, il y a un truc de mousse à la fraise. C'est trop bon. Il n'y a pas trop de goût, hein. Non, mais c'est bon. Ah, il y a un arrière-goût qui est très sympa. Do you want to test cricket? Food cricket? Cricket? You want test? Non? Personne ne want test les cricket? Alors maintenant on va tester ce truc là. Ah, ça sent pas bon. Alors c'est ça. On sait pas bien ce que c'est. Moi je crois que c'est des pépins de melon, mais je suis pas sûre. Hi. Do you want? Comment ça se mange? Ah, je crois
qu'il faut les ouvrir et manger l'intérieur. Vous avez comme des cacahuètes un peu. Non, comme des pipas. C'est très chiant à manger. Ouais. Moi, j'aurais jamais la patience. Hein. Hello. Do you want? Non. Maintenant, on va goûter ça. On sait pas ce que c'est. Et dessus, il y a dessiné une carotte verte. C'est hyper bizarre. C'est au wasabi. C'est pas bon, mais en même temps, c'est pas mauvais. Il y a un petit côté piquant. Le wasabi, ça pique, c'est pour ça. Encore un truc vert, c'est ça. Ça vient du Japon. C'est green tea matcha from Japon. C'est au matcha. Ça doit rien, en fait. Ça va, ça, ça passe. Bon, on a d'autres trucs dans le sac à goûter, mais moi, j'en peux plus. Alors là, on teste un nouveau truc. C'est ça. Alors du coup, on te le montre, on l'a déjà ouvert. En fait, c'est une pizza sous sachet et que t'achètes comme genre t'achètes des gâteaux. C'est même pas au frais. Et je sais pas si c'est bon. Attends. Mais genre, il y a de la tomate et tout. Il y a du fromage ou pas? Ça passe. Ah, c'est bizarre. Hein. Ah, c'est bof si ça passe. Le pain, il est. Le pain, il est bon. Mais ouais. Je mange le pain, je te donne le. J'ai le petit arrière-goût de crotte qui est surprenant. Pourquoi tu m'as acheté la sunflower? C'est des graines. Mais notre copain de Bangkok, il nous a dit que ça se mangeait. It's for eat. Eat. For one. Eat. You like? Good. Good, good. Good, good. Ah, mais c'est des graines de tournesol. Alors là, on va tester un nouveau truc, c'est ça. Je pense qu'il faut le mélanger avant. C'est un truc liquide, potentiellement à la vanille. C'est pas la vanille, hein. Ah, c'est du thé blanc. Pas dégueulasse, ça goûte rien. Il y a beaucoup de choses qui ont goût à rien. Ouais. Ah, c'est dégueulasse. Là, qu'il y avait du pain. Bon, à partir de demain, on arrête de bouffer de la merde, c'est promis. On voulait faire plein de vidéos de dégustation des produits thaï, mais... Moi, je peux plus, hein. Attends, on vous a pas montré le pain vert? Le pain vert avec le thé blanc. En fait, ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas. Mais peut-être que les deux ensemble, ça passe. C'est long, hein. Alors, il nous reste encore un truc à découvrir avec toi, c'est ça. Ça a l'air très bizarre. Non, mais ils aiment trop le manger qui sent le poisson, manger du poisson. Si on n'aime pas, on sait à qui le refiler. Depuis tout à l'heure, on refile ce qu'on n'aime pas aux vendeurs sur la plage. Et ils sont contents. Je pense pas que ce soit bon, mais la texture est marrante. Ça goûte à l'algue. Ah, j'aime bien. Non. Le goût est bof, mais... Le goût est bof. Quand tu croques, c'est marrant. Ouais. On dirait du manger de poisson. Ah, c'est déjà fini? On a goûté tout ce qu'on avait à goûter. Le bilan, globalement, c'était pas très bon. Ouais, ce qu'il y a de salé, on n'aime pas. Bon, on te fait des gros bisous. Ciao, ciao!